en train de perdre, là. J'ai déjà gagné. Et ça, tu le sais pas encore. Premier arrivé à l'aérodrome. Par là où tout passe, c'est pas précisé. Moi, j'attendrai au garage. Et moi qui croyais que c'était une course amicale. Pour nous, c'est amical. C'est le dernier de la plébagnole de Rave. Il y a un enjeu, là, c'est sûr. Waouh, je crois que j'ai jamais vu Max s'éclater autant depuis les tours. Pas toi? C'était notre plus gros coup. Tu parles que je m'éclate. On va peut-être se secouer un peu. D'être gentil avec toi. Franchement, tu serais même devant si tu frimais pas autant. Elle a pas tort. Mac ? Ça reste inimpossible, Jen. Mère Mac, je protège en hochant la tête. Tu te vois toujours gagner, Ty? Je gagne? Je te vois pas devant. C'est à l'arrivée que ça se joue. Oui! C'était pas trop mal. T'auras moins de chance la prochaine fois. C'est pas de la chance, mec. C'est un don. C'est bon, Morgane. Tu vas conduire la bête. Toi et ton crew, je vous conseille d'assurer. Alors, j'avais pas raison. Lina Navarro est le meilleur fixeur de tout Silver Rock. Ouais. C'est de la musique à mes oreilles. Bon boulot, Rav. Tu l'as retapé tout seul ? Avec du temps et de l'application, un artiste peut changer n'importe quelle épave en voiture de course. Mm-hmm. Ok, les gars. Vous savez ce qu'il reste à faire? La teuf? Mais non, s'entraîner. Vas-y, roule. Brave, la pêche qu'elle a cette caisse, c'est dingue! On y habitué si tu veux aller au bout de cette mission. La bagnole qu'on vise est deux fois plus puissante. Brave a raison. Faut être sûr que t'es prêt pour le cas. Ty participe à la course, Navarro. T'as joué ton rôle. On s'occupe du futur. Alors, Ty, tu feras quoi quand tu vas sauter la bande? Chaque chose en son temps, priorité à la mission. Ça fait trois temps que tu traînes, je t'explique mon tour. Je renvoie dans la distance 62, je vais. Je suis armé à 9, je décolle le 2-3 projectiles, je ne t'en pas fait mal. Enfin pouvoir régler toutes mes dettes. Pourquoi pas monter mon affaire avec le reste? Moi, Tyler, vas-y. Oh, dégoûter la caisse de mes rêves, couper au maximum, et puis participer à la course. Ouais, voilà, c'est ça. Toi, Alina? Moi, je me barre de soir. Pour aller où? Loin. Hein? J'ai peur, c'est trop top. T'as pas grandi dans le barrio. Tyler et moi, oui. Il y a du bon aussi. Je vois ce que je suis. Oui, justement.
réveiller. Relax, Lina, tu sais que je peux le faire. C'est pour ça que t'as accepté le job. Tu vas rouler à fond et piquer une hypercar équipée d'un petit négociant. Alors évite de me dire relax. Nés à l'ombre des casinos, les risques, on préfère les prendre à 200 à l'heure. Tout le monde est prêt? Jess? Je suis en position tout près du circuit. Mac? Le Mac Attack est prêt à décoller. T'as appelé ton camion le Mac Attack? Ouais, et il en est très fier. Brave. Je suis prêt. M'amène la voiture et je m'occupe du reste. C'est l'heure de devenir riche, Tyler. J'ai notre cible sous les yeux. Le flambeur est là. Salut, comment ça va? C'est une journée parfaite pour faire la course. T'es coté à 4 contre 1 pour la première place. Alors, je sais que le prototype ne me décevra pas. La question, c'est... est-ce que tu seras à la hauteur? La puissance cumulée des moteurs électriques et du V8 biturbo, ça donne... plus de 1500 chevaux. Ouais, je vais gérer. Hé, hey, pas mal. T'as bien fait tes devoirs. Et juste un truc. J'accepte rien en dessous de la première place. C'est clair? Mais t'as l'air digne de confiance. Me déçois pas, gamin, ok? Il se doute de quelque chose? Il sait rien du tout. Les gars, surtout foirez pas. Mac, j'arrive tout de suite.
Attention, tremplin en approche. Houston, la fusée est dans les airs. Le saut dans la bagnole à 2 millions, c'est fait. Est-ce que je peux dire à quel point je te déteste? Tu conduis notre gagne-pain, là, Morgane. Livre-la, Arabe. Les unités, on est à la recherche d'une Koenigsegg Regera qui vient d'être volée. Ce véhicule vaut une fortune. Centrale, on poursuit la Regera volée. Code 3. À toutes les unités sur la poursuite, en raison du prix de la Regera attachée de... Jess, j'ai les flics au cul. Continue, j'arrive tout de suite. C'est pas ce que t'as en tête, mais arrête. Je te sens juste de livrer la voiture tout de suite. Il est dingue. Ah, il est dingue. À toutes les unités, Adam Intel s'est remis à la poursuite du suspect. Centrale, on a plus où. Jess, t'es où? Accrochez-vous. Jess. T'inquiète, je suis là. Et à moi. Allez, au suivant maintenant. T'as un souci? Avec toi, jamais. Centrale, je branche à une BMW M-Factor qui circule de voiture, demande de renfort sur la Regera. Reçu, Adam 13, restez sur la M5. C'est bon, ils ont mordu à l'hameçon. Je vais les éloigner de toi. On a bouclé tout le secteur. On a un terrain. Ils sont débarrassés. Le BM-5 progresse et nous éloigne de la Regera. Elle a été modifiée pour nous neutraliser et résister aux arrestations. Reçu, Adam 13, déployez les tactiques habituelles contre la M5. Morgane! Pourquoi t'as pas encore livré la voiture à Rav? Y'a encore des flics sur le dos! Ils vont disparaître et vite fait! J'ai une idée! Tyler, Jess, rejoignez-moi! J'arrive! On se voit là-bas! Où vous êtes? J'y suis presque! Moi aussi! Mac, que ça va? Allez, maintenant on part tous les deux! Ouais, continue! Viens là! J'ai la bête jusqu'à Rav! Bonne livraison, vieux! Moi, je m'occupe des flics, Tyler! Vas-y! Bien piloté, ça, Morgane! J'ai bien fait de miser sur ton tour. Tyler Morgan, 23 ans, fils unique de Sylvia Morgan et de père inconnu, comme c'est tout. Il a fait 6 mois de prison pour mineur après avoir été arrêté pour conduite dangereuse. Je suis le meilleur et je conduis une voiture parmi les plus rapides du monde. Vous aurez du mal à m'attraper. Je te conseille de pas jouer à ça avec moi, gamin. C'est quoi ce bordel? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous rejoins. Brave. Les pilotes sont ici. Je les ai vus prendre cette voiture. Merci, monsieur l'agent. Qu'est-ce que t'as fait? Brave, t'as pas parlé de ce qu'elle a sous le capot? Mes clients payent des fortunes pour ça. C'est toi qui vas le payer, Navarro. Les flics sont en route. Le clan te passe le bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Navarro. Mac, emmène-le. Je vais distraire les flics. J'essaie d'éloigner les flics. Allez, c'est ma mission. J'ai fait venir Navarro, c'est ma faute. Maintenant, mets Mac et Rav à l'abri. J'ai une radio de la police et le tracker GPS de Rav. Laisse-moi au moins t'aider. Prends la direction du déversoir. Mais vite, les flics vont boucler tout le secteur. C'est ça, bande de connards. Venez, allez, venez. Adam, un prends ça. Vous voulez dans quelle direction? Flic droit devant. Prenez à droite. À toutes les unités, Adam, un 35 a engagé une poursuite. Unité libre. Coupe en prenant à gauche. Ça fait la moitié, Ty. Ne lâche pas. Jamais. Adam, un 35, est-ce que vous pouvez nous faire un point? Il y a plein de barrages. Prends à droite, puis à gauche, prochain virage. Par le barrio.
vers à l'ouest, sur la voie rapide ligne 34 Vapeur Valley. Reçu. Véhicule suspect vers l'ouest, sur la voie rapide ligne 34. Continue de rouler en direction du déversoir. Eh, hey, t'es où que... Peu importe. Rav, va bien ? Je sais pas trop, Ty. Ils sont sortis. Bien sûr que oui. Il a intérêt. Vers le sud, en direction de Silver Rock West. Reçu, suspect vers le sud, en direction de Silver Rock West. J'y suis presque. Central, la GPO, j'ai sauté le terrain. Reçu. Les flics ont décroché. Ton plan a marché, Jess. Tu te débrouilles, Tyler. Mais c'est pas le moment de planer. Les flics ont mobilisé de gros renforts. Ils sont en train de verrouiller toute la ville. Jess, il y a des voitures banalisées qui me suivent. Quoi ? Mais d'où elles sortent, celles-là ? Ils m'encerclent. Aïe, tire-toi d'ici. Ah, merde. Où est la voiture ? Lina Navarro. Elle nous a volé la voiture pour la refiler au clan. Vraiment ? Alors tu me sers plus à rien. Mon séjour en tôle. Cela dit, tu veux te venger d'elle ? Et moi aussi. Ouais, on va s'arranger. T'es peut-être un as, mais c'est moi qui tiens les cartes. Qu'est-ce que tu racontes ? Pourtant, les flics sont pas loin. Alors soit tu vas en tôle, soit tu bosses pour moi. Tu mangeras, tu dormiras, tu conduiras, quand je te le dirai. Et le moment venu, t'auras ce que tu veux. Quand tu te retrouves face à une belle bagnole, tu penses à quoi ? À combien elle coûte ? À la vitesse qu'elle peut atteindre ? Moi, voilà ce que je pense. Je vois du potentiel. Je vois un nouveau défi à relever. Je me vois prendre tous les risques pendant une fraction de seconde. Je me vois moi.